Est-ce que c'est pas idyllique? Regardez comme c'est beau. Et en plus avec moi devant c'est encore plus beau. Énorme. Il y a 10 sens cachés à chaque couplet, à chaque fois. Oh la vache. Bon les amis, je vais être très honnête avec vous, je la sens pas cette histoire. Là je viens vraiment, mais vraiment de me réveiller, donc vous me voyez encore pire que pire que pire. J'ai réalisé que aujourd'hui c'était l'anniversaire d'Anaïs. Bon, je lui ai écrit sur Snap, y a pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, on est censé tourner une vidéo. Comme par hasard d'ailleurs. Très bizarre Anaïs, qu'est-ce qu'elle me prépare, je ne sais pas. Mais en tout cas, eh ben je me suis dit, comme j'ai du temps devant moi là, je vais faire pour rigoler, mais c'est vraiment juste pour rigoler. C'est pas comme si je lui avais déjà préparé des chansons. Enfin, j'ai pas d'idée, mais j'ai envie de faire un truc rigolo. En fait, j'ai envie que dans la... J'ai envie de faire un truc à la con. Aujourd'hui, au moment où je vous filme, au moment où je vous parle, y a le premier vlog qui est en train de sortir, donc si ça se trouve, ça vous plaît pas du tout. Bon. Eh les gars, la bière le matin dès 9h, faut pas faire. Hein. Non, je rigole. Petit déjeuner, c'est un pastis. Et allez, let's go. On va faire un truc très simple. Anaïs, c'est ton anif. Ouh, ça c'est bien ça. Anaïs, le bénéfice. Bon anif, Anaïs, la saucisse, c'est la mif. Voilà. Merci. Mais de rien, allez, bon anif, bon anniversaire les petits indiens chez Buffalo. Parce que je vais allumer la lumière, sinon vous allez pas me voir. Salut, ce sera pas long. Bonjour les amis, ça va ou quoi? Eh ben les gars, je suis trop content parce que vous avez kiffé le dernier vlog, enfin le premier vlog, enfin... Oh ça y est, toujours aussi amateur hein. Je me dépêche, il est midi là, il faut que j'aille manger. Mais merci beaucoup pour vos retours. Voilà, sur le vlog qui est sorti donc je sais pas quand, au moment où cette vidéo sortira. Mais merci beaucoup pour vos retours, ça me fait trop plaisir. Vous m'avez trop régalé et du coup je vais continuer comme ça. C'est pas forcément toutes les semaines. C'est pas forcément, voilà, ça peut durer un mois, ça peut durer trois jours. Ça dépend du contenu, ça dépend si j'ai envie de filmer. Ça dépend de ce qui se passe hein. Les gars, il se passe pas des choses tous les jours dans ma vie hein. Donc voilà, par contre je voulais juste vous montrer quand même. Même si vous l'aurez déjà vu entre temps, mais je suis assez content. En fait, j'ai envie de changer de bannière parce que le problème, je me suis un peu gavé en fait. Avec cette bannière là, je ne l'aime plus du tout. J'aime toujours le fond un peu métaverse, tu vois. Mais là, je me sens tellement con. J'ai une tête. Je me dis là, niveau sex appeal, je suis à zéro. Bon, là aussi, tu vois, mais c'est rigolo. Alors que là, je me prends un peu. Enfin, là, je suis naturel et j'ai une tête de bite. Alors, oui, voilà, c'est comme ça, j'ai une tête de bite. Que voulez-vous? Voilà, je vous présente ma nouvelle bannière. Genre en gros, je réutilise mon décor virtuel et j'ai mis plein de petits clins d'œil. Donc là déjà ça c'est moi, voilà, sur un petit siège. Clin d'œil ici à Minecraft. Clin d'œil ici à Euro Truck. En gros ça fait genre il y a un garage derrière. Clin d'œil justement à mes vidéos vlog et du coup à mes vacances. Donc là sur la télé vous voyez c'est vlog au lac Léman. Et puis clin d'œil à la musique, bon bah là il y a le piano, là il y a la guitare. Et voilà c'est tout, voilà, les petits clins d'œil de la chaîne. Oh la vache. Et bien bonjour à toutes et tous, c'est Frigiel. Putain, je filme, j'avais oublié. Hey ! Je filme tout le temps aux abords de midi, c'est un truc de ouf quoi. C'est normal, c'est parce qu'avant je dors. Bah les gars, je fais de la musique, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce vlog, je fais de la musique. Ah si, attendez, je vous montre un truc que je suis content que j'ai fait. J'ai fait un truc, je suis trop content, je vous explique. En fait... Bon, vous m'excuserez, il n'y a pas trop de lumière. Normalement, vous voyez, j'ai mes guitares ici. Normalement ici, j'avais mon synthé, tu sais, le piano. Et en fait, je l'ai mis ici. Juste là, en dessous de mon bureau, en diagonale, tu vois, c'est-à-dire que là, je suis face à mon écran, tu vois, tac. Et j'ai mis le piano juste là, alors que j'ai un autre bureau ici. Et je me suis dit, bah, en vrai, c'est qui tout double, parce que ça risque de me faire chier, tu vois. Mais en fait, bah, c'est le meilleur... alors, c'est pas un investissement, du coup, puisque de toute façon, je l'ai depuis des années là-bas. Mais c'est la meilleure idée que j'ai eue, quoi. Mille fois mieux que d'utiliser ça. Parce que bah avec ça, frère, j'ai 12 touches. Bref, là au moins, voilà. Et en plus j'ai de la place. Je suis vraiment juste nickel si je veux poser mes pieds dessus. 8 hours later. Voilà, comme ça c'est super, tu dérègles ma caméra. Non parce que les gars... Alors attendez, je rallume la lumière. C'est-à-dire que moi je me fais chier à mettre ma webcam, à bien la régler pour mes vidéos et tout.
Et l'autre, non mais reviens, je parle de toi. Dis bonjour au viewer. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quelque chose? T'as vu quelque chose que je devrais voir? Et salut les amis, ils étaient pas prêts parce qu'ils savent pas que je fais des vlogs. Tu veux pas aller sur YouTube toi ou... Voilà, bah donc là voilà, bonjour. J'ai juste changé la boutonnée. Bon, alors on fait une petite balade moto, c'est ça la vie d'artiste finalement. Et là on a fait des shootings photos et je suis assez content. Là sur cette chaise, enfin sur ce fauteuil plein de Covid, et je me suis assis dessus, j'ai fait un peu le sex boy, fuck boy comme on dit. Et voilà, ce sera probablement la nouvelle photo de profil sur YouTube. Et voilà, regardez, si vous avez besoin de pneus, venez chez nous. Ils sont tous foutus. Quel enfer. Voilà, merci à tous. Est-ce que c'est pas idyllique? Voilà, regardez comme c'est beau. Et en plus, avec moi devant, c'est encore plus beau. Magnifique. Ah. On est pas bien ici là. Ah là, on est bien. Bon, à défaut d'utiliser la réalité virtuelle, on va utiliser le traquier. Attends, parce que là, c'est la merde. Oh, ça casse les couilles ça. Vous allez bien? Qu'est-ce qui me fait là? Tu me regardes quand je te parle? Moi ça me fait marrer, je vous fais une petite aparté quand même parce que donc je poste des vidéos sur TikTok, je poste des vidéos sur TikTok et je me fais incendier dans les commentaires par des gens qui sont frustrés par la vie. Je mets des extraits de mes vidéos Eurotruck, des extraits où je me marre, tu vois, des extraits où je roule, où je fais des road rage, où tu vois, genre il y a des camions, ils roulent n'importe comment, ou des véhicules et moi je les engueule dans les vidéos, vous savez. Enfin c'est fun, tu vois, c'est rigolo. Et moi je m'énerve. Et puis après, il y a des gens en commentaire, ils sont là en mode putain, mais c'est qu'ils se croient vraiment routiers. À quel moment j'ai dit que j'étais un routier en fait? C'est un jeu justement, c'est pour ça, on s'amuse. Et c'est ouf les gens qui sont frustrés sur TikTok. Voilà, je voulais le dire. Cette vidéo finira sur TikTok et les gens seront pas contents sur TikTok. J'en ai rien à péter, tu dégages en fait. Allez, c'est parti, on va rouler comme des vrais routiers. Enculé tous mes cons. Ah ouais, d'accord. Ça marche, on y arrive. On est trop chaud. Bon, ça y est, je suis de nouveau en période de stress, les gars. Bah maintenant, je peux le dire, en fait. Maintenant, je peux le dire, puisque vous le savez déjà. Bref, bah je vais sortir un album. Ça vient, ça repart, mes coups de stress, j'en peux plus. Je crois que je vais aller au boulot en moto, moi. Ça sort vendredi 18 mars, et je compte vraiment sur vous. Ça sort sur Deezer, Spotify, Amazon Music, enfin bref, tous les trucs qui existent, enfin les grands classiques, quoi. Sur YouTube aussi, bien sûr, YouTube Music. Bref, ça sort le 18 mars. J'ai encore pensé à toi toute la nuit. Je crois que quelque chose m'attire dans les Alpes. Laisse-toi aller, viens avec moi. Passe une journée sans tracas. Laisse-moi te prouver que tous les hommes ne sont pas du tout comme tu les nommes. Bon ben voilà, je sors de la douche. Je vais bientôt aller au boulot. Qui s'en fout? Lève la main. Oh merde! Là, les amis, dans 3 minutes, dans 4 minutes, je sais plus compter. Hop là, dans 3 minutes, en effet, je sais vraiment pas compter. La musique Insomnie que vous aurez déjà vue. Et comme d'hab, je suis ultra stressé, sachant qu'en plus, je l'ai mis en première. Les gars, je suis dans Retour vers le futur. Annonce intro, mardi 8. Et la vidéo là, elle sort mercredi 9. Donc, vous savez déjà que mon album, les gars, sort vendredi 18 mars. Ah la vache! Sachant que je commence déjà à recevoir pas mal de petits messages sur Instagram en message privé. Gros big up à vous, vous allez vous reconnaître, mais des gens qui disent « Ah, je crois que j'ai compris c'est quoi le projet. » D'ailleurs, mention spéciale à Pylog. Perso, j'ai déjà compris, je pense, donc par rapport au projet secret, donc l'album. Et mention spéciale à vous aussi en commentaire qui avait déjà mis « Regarde Zarx, il va encore nous lâcher une dinguerie. » Et Luc Jonas, sûrement une nouvelle musique ultra cool. Franchement, j'espère que ça va vous plaire, putain de bordel de cul. J'espère que vous allez kiffer là, bordel, j'ai trop peur, je stresse. Salut. J'ai trop peur des retours, sachant qu'en plus la musique,
Bah c'est vrai, je fais des insomnies les gars, ça fait des mois que je fais des insomnies les gars, que je dors plus la nuit. Bref. Oh ! Y'en a un, il a capté le message en morse. Waydrix. Énorme. Énorme. Extrait de l'album Metaverse, disponible prochainement. Salut Sylvie. A few moments later. Putain la vache, alors les amis, ce qui se passe c'est incroyable, parce qu'en fait je voulais vous reprendre dans ma voiture, sauf que là du coup je viens de rentrer du boulot parce que je suis rentré plus tôt, et là il est 20h14, et je suis avec mon chat, de nouveau, décidément, et du coup je vais regarder les commentaires, et je me suis pas spoilé. Fallait pas autant stresser mec, tes musiques sont pour l'instant folles, donc juste un gros GG et continue comme ça mec, vraiment bravo. Merci beaucoup Beer of the Moon, ça fait trop plaisir si tu passes par là. Bon évidemment je suis stressé, mais c'est aussi... Bah par rapport à l'album, de toute façon je peux le dire, mais c'est par rapport à la sortie de l'album. Electro style 80, on a la confirmation que tu as aimé The Weeknd. Ça filme là ou pas? Je pars en hibernation, à bientôt. Ah Aurélien, bien sûr Aurélien, il a capté que ça finirait dans le vlog. Bah gros big up Aurélien. Et t'as compris l'univers, enfin l'univers The Weeknd, disons l'univers Synthwave donc. Pourquoi? Bah parce que c'est l'ambiance. Bah après, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur... Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo dédiée dans laquelle je parlerai de mon album une fois qu'il sera sorti? Je sais pas, enfin vous me direz. Lourd... Wow, c'est trop bien, quel boulot continue. Merci beaucoup, Luc Jonas. Merci, Captain Pélican. Vraiment bon, encore un sacré texte. Et n'oublie pas de regarder la description. Très, très gros indice. Merci, Yann. Et oui, dans la description, le code Morse. Je suis étonné, trop bien. Azounours. Ah ouais, c'est carré. C'est carrément un autre style que le titre Batois. Vraiment, bravo, poteau. Ça fait trop plaisir. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'était de sortir deux sons qui sont à l'opposé. Pour que vous compreniez que dans l'album, bah, ce sera pas le même style de musique. Et en fait, c'est ça qui m'angoisse, qui me fait peur. Je vais être très honnête avec vous. Bon, en gros, le vrai premier titre, qui sera le deuxième, c'est Batois. Et le troisième titre, c'est une musique délire, sans prise de tête, avec masse autotune. Je vous le dis à l'avance. Et ça va choquer les gens. Parce qu'ils vont dire, mais c'est éclaté au sol. Je pense. Parce que, en fait, je m'éclate sur cet album, vous allez comprendre, il y a des musiques sérieuses, des musiques pas sérieuses, des musiques où je me prends la tête, des musiques où je me prends pas la tête. Il y a 10 sens cachés à chaque couplet, à chaque fois, bref, et puis il y a des sons justement qui sont, des gens diront que c'est catastrophique, mais voilà, donc c'est pour vous dire, je suis content parce qu'au moins vous appréciez quand même le contenu que j'ai proposé là. Il y aura du contenu qui j'espère va vous plaire, et puis du contenu évidemment où c'est de la rigolade, voilà. Merci beaucoup les frérots. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Bon, il finit calmement, hein, je suis désolé. Mais voilà, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Et puis, on se retrouve pour d'autres vlogs, peut-être avec du contenu bien plus différent. Voilà. Allez, bonne nuit. Enfin, bonne nuit. Moi, je vais pas dormir, je vais faire le montage de ce vlog, tiens. Comme ça, vous le savez. Et comme je suis magicien, regardez, je vous mets deux vidéos, n'hésitez pas à aller les regarder. Celles que vous voulez. Franchement, les deux, elles sont bien. J'en suis persuadé. Voilà, fais-toi plaisir. Et voilà. Vas-y, hein, fais-moi confiance. Et n'oublie pas le petit like. Allez, ciao tout le monde. Elles sont chouettes les vidéos.